Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 9 de My Colony. Il s'est passé un petit peu de temps, également in-game, et je suis dans la merde. Donc il faut absolument qu'on se dépêche en fait. Je vous explique la situation. Donc, c'est juste un gouvernement. Voilà, j'ai mon approbation qui a chuté en masse. Pour quelle raison? Bah vous allez voir, voilà, j'ai eu une chute démographique parce que, voilà, j'ai eu une grosse chute en fait de l'état de santé de ma colonie. Donc il faut absolument qu'on ait les grosses cliniques. Il y a ça, et puis je ne l'ai pas là. Aussi autre chose, d'accord, j'ai eu ça aussi, c'est que j'ai eu des gros pics de chômage. Donc évidemment ça picote. J'ai dû, pour réaugmenter un petit peu mon approbation, c'est donner de l'argent à mes colons. Donc ça voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument qu'on développe, hop, voilà, les larges constructions et qu'on se fasse un hôpital. Le fameux... C'est pas là? Ah si, c'est plus bas. Voilà, large médical clinique. Faut absolument qu'on se fasse ça. Donc, on y va. Alors, normalement, également... Incinérateur... Non... faut que je vois si le synthétiseur d'aluminium on peut le faire. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qu'on peut se faire. Alors on va hop prendre cette technologie là. Et on va. Donc je me suis fait 5 cliniques ici. D'accord, ok. Et je peux pas donc les. Et donc il va falloir absolument que je crée des hôpitaux. Ça c'est la priorité. Et on va faire le tour un petit peu de ce que j'ai fait un petit peu sans vous. Mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Zut, il est où mon hôpital? Oui, il faut d'abord que je construise un robot. Voilà, un mégabot. Donc on va en construire 10, pareil. 9, 10. Et j'oubliais, en effet, j'ai désactivé les sons pendant que je jouais, les sons quand je clique sur quelque chose, ce qui fait que le jeu est un petit peu vide au niveau du son. Alors je vais quand même les remettre, même si c'est un petit peu répétitif, mais au moins ça fait quelque chose dans le jeu, quoi. Engine settings, hop. Pas la musique, mais le son, voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai les mégabots, est-ce que je peux... Non, je peux pas upgrader ça. Mais est-ce que je peux, si je les prends... Qu'est-ce qui me manque? Des microchips. Il me manque des microchips. Ok. Par contre, j'ai l'hydrogène réacteur. Bon, donc pour le moment, j'ai pas de problème d'énergie, mais dès que j'aurai des problèmes d'énergie, c'est ça qu'il faut que je construise. Ouais, le problème, c'est que je manque de microchips pour beaucoup de choses. Donc, je manque de microchips. Ça m'arrange pas. Alors, c'est étrange, mes cliniques sont vides, là. J'ai des problèmes de santé et pourtant mes cliniques sont vides. Ça s'est restabilisé, mais j'aimerais que ça augmente.
Donc là, je suis un petit peu coincé en fait. Donc voilà, donc ce que j'ai construit, donc j'ai augmenté ma capacité d'apprentissage de ma population. Et je pense que ce qui a provoqué la grosse chute de santé, c'est le tourisme. Je pense que c'est le tourisme qui a apporté des maladies dans ma colonie. Je suis absolument pas sûr, mais je pense que c'est ça. Le problème, c'est que là, c'est pas très bien expliqué dans le jeu pourquoi j'ai ma santé qui a diminué. Donc ici, j'ai augmenté ma quantité de panneaux solaires. J'ai créé ici, je crois que vous l'avez pas vu ça, un deuxième quartier de Charcoal Factory, donc pour créer du charbon. Et un synthétique Diamond Laboratory qui me permet de produire des diamants. Voilà, et j'ai créé donc quelques diamants. Les diamants que je peux revendre, donc pour rapporter de l'argent à ma colonie. Ici, donc on a les Brick Factory. Je crois que j'en ai fait une deuxième ligne que vous l'avez pas vue. Et il y a voilà des et donc je m'occupe des clés mine, même si voilà je suis à fond. Donc en soi voilà et j'ai commencé à créer ça. Les textiles mills. Le problème c'est qu'il me faut si je regarde voilà ça me demande de la laine et j'ai pas trouvé comment on en produisait. Donc je pense qu'on en produit en débloquant l'atmosphère. Donc on va prendre ça. Enfin, le... De toute façon on va développer énormément de choses ici. Ça pourrait être intéressant. Peut-être. Est-ce que je peux synthétiser? Je peux synthétiser de l'huile, du plastique, donc faire des jouets. J'ai des réservoirs de recyclage. Et ça peut m'aider à développer après. Ouais, bon, ok. Donc on va également développer ça. Le tourisme, pour le moment, on va un petit peu abandonner. Wow. Commence à y avoir beaucoup de choses. On va développer le commerce galactique également. Voilà, donc ça nous fait déjà pas mal de choses à voir. L'incinérateur, il prend combien? 2 fois 2, ouais, donc je peux pas évoluer. C'est con, c'est vraiment les microchips qui me manquent. D'ailleurs, j'augmente en microchip ou pas? Mince. J'ai pas l'air d'augmenter en plus, je suis sûr que... Ah! Non, non, ils sont là. J'ai plus personne dedans. J'ai plus personne dedans. Comment ça se fait? Parce qu'ils sont tous malades? Mais je sais pas ce qu'ils ont et puis ils sont tous là. Est-ce que j'ai affaire à un bug? Ils ont l'air d'être tous coincés là. Je comprends pas.
J'ai l'impression que j'ai affaire à un bug en fait. Ils sont tous coincés là. Il faut des allers-retours là comme ça. Mais ça n'a aucun sens. Non, c'est pas ça que je voulais désactiver. Non, bah non, donc ça peut pas être ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils bloquent, les mecs? Ça, je vais les parquer quelque part. Je vais les parquer pour le moment ici. Protesting. Ils protestent. D'accord, ok. En fait, ils sont en train de protester, les mecs. Ok. Donc. Ah, ok. Je sais ce qu'il faut. Je sais ce qu'il faut. C'est bon. C'est quoi leur revendication? Le manque d'éducation, mais les gars, j'ai ouvert des écoles. Qu'est-ce qui vous fout de plus? J'ai ouvert des écoles et des collèges. J'ai pas plus puissant pour le moment. Bon, j'ai la santé qui remonte un petit peu. Mais en fait, ils sont tous en train de protester au point d'en crever, quoi. En plus, le payroll, je le paye, quoi, en plus, quoi. C'est ça le pire, quoi. Est-ce qu'il manque de divertissement? Est-ce que ce serait ça? Ah oui, alors j'ai construit, voilà, j'ai construit pas mal de résidences, hein, donc j'ai de la capacité de population. Sauf que maintenant, ma population diminue. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je reconstruise des landing pads, certainement. Parce que faut que je maintienne une population active, quoi. Je sais pas, j'ai des relais internet, j'ai fait des distilleries, j'ai créé un casino ici. Pareil, qui tourne au ralenti. Happiness. Ils sont pas heureux. Alors, qu'est-ce que j'ai en divertissement? Entertainment.
Faut que je crée des hipster bars. Apparemment, c'est ça. Va falloir que je crée des hipster bars, à mon avis. Ouh, ça, c'est quoi ça? Pyramide, il me faut 4000. Donc il me faut des... Ok, alors... Ce qu'on va faire. Je sais un petit peu comment me tirer de ce mauvais pas, mais ça va me coûter du pognon. Heureusement, du pognon, je peux en faire en vendant de l'eau et autres ressources que j'ai en abondance. Donc, on va faire du commerce. Commerce, commerce. Ah, j'ai économie là. Ouais. Il me faut des microchips pour ça. Bon, sinon j'ai ça. J'ai des Jawely Store. Je peux en créer un. Alors ça, voilà, ça me permet en fait enfin, ça me permet de vendre des diamants à ma population. Donc on peut éventuellement, hop, voilà, à côté des pubs, comme ça ils pourront. Est-ce que je peux en construire deux? Je vais même en construire deux. Ça me coûte pas plus cher, enfin, honnêtement, pour ce que ça coûte, je peux. Donc on va créer ça. Hop. Déjà, ensuite. J'avais l'intention de créer ça. Honnêtement, ça me coûte pas cher et je peux me permettre. Et je peux me permettre de les faire. Alors, je comptais les faire à la suite, mais peut-être que les synthétiseurs d'or, je vais en refaire d'autres. Donc, je prévois un... Ouais, donc je vais prévoir. Attendez. Donc, annuler. Arbalest Pavement. Donc c'est ça. Donc ici je m'en referai des synthétiques. Ah, j'approche des... Ok. On va les bouger les... Alors, ça... ça, je l'ai parqué ailleurs. Attendez, il y a combien? Il y a 5 d'écart. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les mettre là. Je vais les mettre là. Et on va reconstruire. Alors, voilà, des raw materials. Hop. Donc ici et... Ouais, alors évidemment, donc je vais pas les chaînes et ici. Je confirme. Ok, d'accord, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu les construire. On va également... Alors, attendez, hop. Donc ça, on va terminer ça. Ouais, alors là, je veux les chaînes maintenant, les constructions. Hop. Bon, on va déjà voir ce qu'on peut construire en mint ici. Alors... Je voudrais en construire 5, dans la mesure du possible. Alors pareil, hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5.
Ok. Donc ça, je vais le détruire. On rajoute des pavements. Voilà, et donc ça va me produire. Ah oui, mais ça me demande de la population, comme toujours. Donc ça va me produire de la bouffe. Alors. Le problème, c'est que là, mes microchips, en fait, ça avance pas. C'est que j'ai besoin de microchips et ils en produisent plus, quoi. Parce qu'ils sont en grève. Donc il va falloir que je crée un quartier de divertissement quelque part. Je vais certainement le construire par là, de toute façon. Est-ce que je refais Entertainment? Alors, il faudrait que je crée ces trucs-là. Donc soit j'achète du rhum. Et pour acheter du rhum. Ouais, mais il faudrait que je coupe les barres et c'est pas la bonne idée. Ou alors temporairement. Je remets des internets. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai que ça en entertainment. J'ai que des greenhouse. Et je n'ai que deux greenhouses alors que. Alors qu'est-ce qu'est le mieux? Écoutez, je vais construire une dizaine de chaque, on verra bien. Hop. J'en ai combien? 3. 5. Voilà. Donc ça, ce sont des cadeaux de l'Empereur Galactique. Donc ça, c'est quand je regarde des publicités pour avoir... voilà. Donc ça, ok. Merde. Excusez-moi. Voilà, j'ai mal cliqué. Je voulais quoi d'ailleurs? Ouais, c'est ça que je voulais. Hop. Bon, en tout cas, j'ai mon nom, non, j'ai mes. Mais comment? Mes jobs qui vont bien, quoi. Ouais, mais j'ai des morts, j'arrête pas d'avoir des morts. Économie, gouvernement, 12%. Gros problème de santé. Je vais recréer des cliniques. Alpha. J'ai pas. C'est pas ce que je veux, hop. Non. Non.
All building. J'ai pas, je trouve pas où sont les cliniques dans les dans les dans les quel machin blablabla medical clinic. Hop. On va en recréer, hein. C'est ce que j'ai de plus puissant pour le médical. J'ai pas moins puissant, alors. Mais c'est pareil, j'ai personne qui bosse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je suis pas magicien au bout d'un moment. Qu'est-ce que j'upgrade là? J'upgrade ça. Ah, c'est bon, je peux créer des. J'ai pu créer un. Un large medical clinic. Donc ça, je peux les upgrader. Comment j'ai pu les upgrader d'ailleurs? Parce que ça demande des microchips, ça. Ouais, j'ai consommé 15 microchips. Bah écoutez, pour le moment, j'en ai fait un. On verra bien ce que ça donne. Sais pas quoi faire. Honnêtement, là, je suis un peu coincé. Attendez, ça je vais le collecter parce que voilà. Parce que de toute façon, voilà, ça manque plus qu'autre chose et ça m'embête de voir des cadeaux en bas alors que. Est-ce que j'ai la possibilité de gérer les temps de repos? Est-ce que c'est ça le problème? Bon, sinon, il y a ça, je refais ça. Alors, on va faire ça. Donc, pour le moment, pour éradiquer, donc soit, alors, j'ai aussi une autre solution, c'est d'en prendre quelques-uns et de les exécuter, hein. Mais ça va pas arranger la pinesse et puis non, ça va pas être la solution. Donc, ce que je vais faire. C'est temporairement, je vais couper le son. Parce que ça va faire beaucoup de bruit, ça va pas être gêne. Hop, et on va voir un petit peu ce que je peux vendre en matériaux. En soi, j'aimerais bien du charbon. Allez, hop. Je vais juste hop, mettre comme ça. Et du charbon. Ouais, le charbon, ça vaut le coup d'être vendu. Allez, hop. Donc j'ai un peu de charbon. Jusqu'à arriver à 100K de. De pognon. Et je vais redistribuer ces 100 000 à mes colons. Oh, j'ai pas vu juste au-dessus la clé. Attendez, je vais vendre encore un petit peu parce que. Mais la clé, elle coûte cher. Je vais pouvoir la en revendre pas mal.
Je descends jusqu'à 100 en charbon. Hop. Mais la clé, pareil. La clé, ça vaut le coup. Hop, voilà, c'est bon. J'ai 101K. Hop. Là, je vais aller ici. Là, honnêtement, si j'éradique pas. Donc. 59 par colon. Attends, on va réduire à 50 par colon, comme ça, voilà. Hop. Ok. Voilà. Alors, ça dissipe la population ou pas? Putain, j'ai des cas de dépression maintenant, j'ai la population qui est très fatiguée. Aïe 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 aïe. Ah, ça y est, ça y est. Bon, ça a réaugmenté l'approbation à 26%. Oh bah là par contre voilà un niveau. Niveau économie, les mecs, ils ont ce qu'il faut, hein. Je veux dire, là, je vais pas pouvoir vraiment. Pas vraiment pouvoir faire mieux, quoi. Maintenant, j'ai plus que 16K en pognon. C'est peut-être un peu bas. Je l'espère pas. On va revendre encore un petit peu de clés. Parce que de la clé, voilà, il y a juste ce qu'il faut. Eh oui, voilà, en plus, voilà, j'ai eu les paiements et tout entre deux. Juste au moment où, donc, voilà, on va rester à 20K. Histoire de dire, voilà, si on... Ah, je suis déjà en train de redescendre. Je peux pas faire mieux, les gars. J'ai pas les ressources pour et vous me bloquez les ressources, les gars. J'ai besoin de microchips pour pouvoir vous améliorer vos trucs et je peux pas. C'est quoi ça? Non, c'est pas ce que je veux. C'est quoi, on a débloqué énormément de choses. Non, ça me consomme des microchips, je peux pas en faire. J'ai vraiment besoin de microchips là pour le moment. Alors pareil, j'avais débloqué les trucs de... Ça, voilà, l'Advanced Medical, 10 000 microchips, c'est toujours le même problème. Et le truc que j'ai débloqué tout à l'heure pour les animaux. Ah, j'ai ça aussi pour synthétiser du comment du pétrole. Écoutez, je crois que je vais pas avoir le choix.
Je vais éradiquer le mécontentement de la foule à grands coups de pognon. Qu'est-ce qui a merdé? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui a merdé? Idle. Moving. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est bon, y en a qui redeviennent heureux. Ah, cool. Bon. On va construire les routes ici pour... Donc apparemment, c'est surtout ça, c'est surtout les... Hop. Ouais, ok. Bon. Petit à petit, ils sont en train de redevenir heureux à ce niveau-là. Au niveau de la santé. Est-ce qu'il faut que je repasse des first aid pour... ça me demande dans tous les cas... Est-ce que c'est quand j'ai... Alors non, j'ai encore de la forêt, donc ça peut pas être ça. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est quand j'ai commencé à éradiquer la forêt que ça les a rendus moins heureux? Mais j'en ai encore de la forêt sur la planète, alors non. Bon, vu que la clé, ça semble rapporter pas mal. Non, oui, servait ce que j'ai cliqué, c'est pas ce que je voulais. Je regarde un petit peu ce que ça peut construire d'autre, ça. Ouais, bon, voilà, on s'en fiche. Donc, les clés. Hop. Et bah, je crois qu'on va faire ça. Mais honnêtement, c'est abusé parce que il. Putain, je suis redescendu à 16% là. Bon, j'ai des jobs vacants, donc ça au niveau de la. Touriste, ouais, non, ouais, donc ça c'est touriste, ça c'est ok. Bon, voilà, honnêtement, au niveau pognon, en plus, ils ont ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, ils sont pas. Non, bah, je crois qu'il va falloir que je fasse ça. Donc il va falloir que je vende des ressources pour augmenter ma popul ma mon argent et que je redistribue tout aux colons, quoi. Comme ça, l'approbation remonte. Donc j'ai plus de manifestants, ils retournent tous au boulot, me produisent suffisamment de ressources pour que je puisse agir lorsque ça va rechuter en fait. Et vous savez quoi? Bah, pour la peine, je vais vendre du pétrole parce que je peux en... Voilà. Puis je vais pouvoir en synthétiser dès que j'ai 250 microchips. Alors on va partir là-dessus. On va partir là-dessus.
Alors, je pense que je vais aller jusqu'à 1000K, puis on verra bien. Ah, cet épisode aura servi à rien. On est déjà à 40 minutes, et en fait, vous voyez, bah, je galère, en fait. Je galère parce que j'ai ma population qui est dissidente. C'est la dissidence. Ah, j'ai les cadeaux d'Hélium 3 aussi, ça me sert à rien. Je peux les vendre. Je sais pas. J'ai l'aluminium et l'aluminium, c'est hors de question. Le gold, je peux en produire. Le rhum, j'en ai besoin. Le bois, ouais. Oh, le or, ça. Il vaut un peu quand même. On va en vendre un peu. On va vendre un petit peu. Hop. J'en suis où là? Ouais, voilà. J'ai honnêtement ce qu'il faut. Je descends jusqu'à 200. Jusqu'à ce que ça vale 200 net. Voilà. Ensuite, le gold, en vrai, je pourrais en vendre également un petit peu. Allez. En gold, voilà, j'ai 500K. Puis je vais pouvoir refaire des mines après, c'est pas un problème. Va continuer un petit peu. Bon voilà, je suis à 200K. Va redistribuer tout ça à la population. On va en balancer 100. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je suis génial ou pas? Quarante-deux pour cent. Comment ça va être pas mal? Bon, en tout cas, la non-éducation, c'est quasiment bon, hein. J'ai encore des gens qui sont là. Puis là aussi, donc ok, donc c'est... Donc ça continue à progresser. Là, j'ai des gens donc, qui se divertissent quand même dans les Green Dome. Donc, ouais, ok. Ok, donc ça se divertit. Est-ce que... J'ai l'impression d'en avoir moins. Hein. J'ai l'impression d'en avoir moins. Alors, est-ce que je vais... ouais, je vais certainement refaire également des incinérateurs. Ah, est-ce que je peux les... Ouais, non, ceux-là, ils me consomment des microchips. Je vais faire des simples. Pour et pour éradiquer les déchets... que j'ai. Parce que ça, je suis sûr que je commence à avoir trop de déchets et que ça nuit à la santé de ma population.
Qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas trop. Bah j'ai rien en fait. Alors, je regarde un petit peu la, voilà, la chute de déchets. L'hélium, je pouvais en vendre plus que ça. Est-ce qu'au niveau du microchip... Ah, au niveau du microchip, j'ai de la population qui est revenue. Donc ça, c'est cool. Au niveau de mes fabriques de briques, j'ai également de la population qui est revenue. Non, pas là, par contre. Là, j'en ai. Vous allez harvest les mines que vous avez construites. Donc c'est bon, j'ai ma quantité de déchets qui est en train de se réduire. Peut-être que c'était ça aussi, hein, le problème, c'est que des déchets, il m'en faut pour produire de l'énergie, mais quand j'en ai trop, bah peut-être que ça nuit à la santé de ma population. Ce qui est compréhensible. Donc on va éradiquer nos déchets. Et en plus comme ça produit l'énergie en attendant. Mais bon, voilà, c'est. De toute façon, à terme, pour les déchets, on. Enfin pour l'énergie, on créera une centrale hydraulique. Ouais, j'ai beaucoup moins de protestants, hein. Donc, à mon avis, c'est lié à ça. Si je regarde mes statistiques au niveau de la population, ça se stabilise. Je suis toujours à 36 ans, à 38 ans en moyenne de santé. J'ai une population vieillissante aussi. Faut pas l'oublier. Donc, est-ce que ça correspondrait pas non plus aussi à la mort des premiers colons? C'est pas impossible. Donc. Ce que je vais faire là, le temps, voilà, que tout ça se stabilise un petit peu. Je vais également refaire un coup de commerce pour non, de là à là. Alors je fais ça maintenant pour les mines. Je vous montre, hop, je fais des espèces de voilà de vaisseaux de la mort là de Stargate. Hop. Voilà. Comme ça, ils construisent les mines et une fois qu'ils ont construit toutes les mines, je les mets en harvest et puis bah ils ont. Voilà, ils ont 4 4 euros machin pour pouvoir les. Raw material deposit. Pour pouvoir voilà gérer la vente leurs choses quoi. Pas la vente, la. Voilà, pour pouvoir harvest les mines qu'ils ont créées, quoi. Donc je les laisse créer et puis on va voir par la suite. J'ai 100 microchips. Ce que j'avais dit que je créerais. Non, alors ce qu'il faut absolument que je crée en priorité, c'est le truc de divertissement. Entertainment. Ça. Ah oui, et donc ça, c'est des briques qu'il me faut. Les briques, c'est bon. Enfin, ça augmente petit à petit. Donc, ça devrait aller. Donc, ça, c'est des briques qu'il me faut. Et j'ai pas besoin de microchips pour ça. Par contre, c'est 1000 d'aluminium. Et l'aluminium, faut que je le surveille. J'en ai.
J'ai ce qu'il faut en alu, donc c'est bon. J'ai 182 000 en alu. Ah oui, je vous avais pas montré ça. Tu veux du pétrole? En voilà. J'ai dû construire des tanks ici pour récupérer tout le pétrole qu'il y avait sur ma carte. Donc ça, c'est ma capacité de pétrole que j'avais sur toute ma carte. Donc voilà. Juste voilà pour signaler le truc. Donc ce qu'il me faut, c'est donc il me faut du ou alors du rhum. Il me faut aussi du rhum, mais du rhum, je crois que j'en consomme plus que j'en produis. Mais le problème, c'est que je peux pas couper les barres parce que si je coupe les barres, ben je suis mort quoi. Et pour tout ce qui est ressources. Non, c'est pas ressources. C'est économie. Voilà. Sinon, il y a ça. Il y a le Galactic Board Trade qui me permet de. Ou alors, c'est quoi ça? Ah, j'ai ça! J'ai le. Ouais, fret. C'est le fret de la société. Et donc, enfin, de la colonie. Donc, je peux importer et exporter des biens avec ça. Parce que le mass driver me permet que d'exporter. Et ça me. C'est quoi? Ah, ça c'est pour. D'accord. Ça c'est pour pouvoir. C'est le commerce, mais entre joueurs. C'est pour ça que ça dit que ça requiert une connexion internet. Pas une connexion internet dans le jeu, une vraie connexion internet. IRL. Donc, ce qu'il me faut, c'est Galactic Thread. Pour ça, j'ai besoin de 1000 microchips. Donc, il faut que j'économise mes microchips. Sinon. J'avais dit quoi qui me coûtait 200 microchips? C'était dans le. L'entertainment, c'est ça. Non. Qu'est-ce que j'avais dit qui me coûtait 200 microchips? J'ai dit qu'il y avait un truc. Que je voulais. Oui, c'est le. C'est ça? Ah non, c'est 600. Non, oui, c'est le. Je sais ce que c'est. C'est le synthétiseur de pétrole. Donc, ça, je vais le trouver dans les ressources. Ressources. Voilà. Donc ça, il me le faut. Donc tant pis, je vais consommer. Hop. Je vais consommer un petit peu, mais une fois, voilà. Bah écoutez, on se retrouve quand j'aurai endigué ça. De toute façon, voilà, vous avez ma stratégie pour lutter contre. Putain, la vache, j'en ai encore qui reviennent. J'en ai encore qui reviennent. Je suis tombé à 24%. Donc je vais faire ça. Je vais arroser ma population de pognon. Voilà, quitte à flinguer certaines ressources. Pour les remettre au boulot, quoi. Et donc qu'ils me produisent ce qu'il faut. Donc là, hop. Harvest. Hop. Harvest. Et je vais faire ça. Donc bah je vais couper et puis bah on se retrouvera bah, certainement bah, pour moi demain. Et puis voilà, donc je dois gérer la population. Pourtant ils ont ce qu'il faut, ils ont de la flotte, ils ont du pognon, ils ont de la bouffe, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a la santé qui galère un petit peu, mais j'ai créé une clinique. Est-ce que d'ailleurs j'ai plus personne qui bosse dans les cliniques. Possible. Donc faut que voilà faut alors aussi ce qu'on va faire rapidement avant de se quitter tant pis hein, j'ai besoin de population pour bosser donc je vais recréer mes landing pads
Je vais être obligé de les recréer pour réimporter de la population qui puisse bosser. Voilà. Et puis bon, ben, on se retrouvera demain, vous saurez comment j'ai pu gérer la situation. Autre chose, je vais débloquer avec vous, voilà, les... Ah non, je peux pas débloquer plus que ça. C'est la gouvernance. Non, donc il y a les tourist traps qui peuvent, voilà, donc on fera peut-être un peu de tourisme ensemble. Mais pour le moment, ce qu'il me faut, c'est des microchips, donc on va attendre que les microchips arrivent. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.